L'âne dit au tigre: l'herbe est bleue. Le tigre répondit: non, l'herbe est verte. La discussion devint animée et les deux décidèrent de soumettre le problème à l'arbitrage. Alors, ils approchèrent le lion. En s'approchant du lion sur son trône, l'âne se mit à crier: votre Altesse, n'est-il pas vrai que l'herbe est bleue? Le lion répondit: si vous croyez que c'est vrai, l'herbe est bleue. L'âne se précipita en avant et continua: le tigre est en désaccord avec moi, me contredit et m'ennuie. Punissez-le, s'il vous plaît. Le roi déclara alors: le tigre sera puni de 3 jours de silence. L'âne sauta de joie et continua son chemin, comptant et répétant: l'herbe est bleue, l'herbe est bleue. Le tigre demanda au lion: votre Majesté, pourquoi m'avez-vous puni? Après tout, l'herbe est verte. Le lion répondit: tu savais et tu as vu que l'herbe est verte. Le tigre demanda: alors, pourquoi me punir? Le lion répondit: cela n'a rien à voir avec la question de savoir si l'herbe est bleue ou verte. La punition est parce qu'il est dégradant pour une créature brave et intelligente comme toi de perdre du temps à discuter avec un imbécile, et en plus, tu es venu me déranger avec cette question juste pour valider quelque chose que tu savais déjà être vrai. La plus grande perte de temps est de discuter avec un fou ou un fanatique qui ne se soucie pas de la vérité ou de la réalité, mais seulement de la victoire de ses croyances et illusions. Ne perdez jamais de temps à discuter de choses qui n'ont aucun sens. Il y a des gens qui, malgré toutes les preuves qui leur sont présentées, n'ont pas la capacité de comprendre. D'autres, qui sont aveuglés par l'ego, la haine et le ressentiment, et la seule chose qu'ils veulent, c'est avoir raison, même s'ils ont tort. Quand l'ignorance crie, l'intelligence passe son chemin. La morale de l'histoire est de ne pas discuter avec un imbécile.